Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Je vous prends avec moi pendant une semaine de décembre, donc la deuxième semaine de décembre. J'espère de tout cœur que vous allez bien, que vous passez un bon mois de décembre, qui n'est pas trop chargé pour vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très chargés durant le mois de décembre. C'est pareil aussi pour ma part. D'ailleurs, je me mets des trucs en plus. Bref, le mois de décembre est quand même assez chargé. La disposition n'est pas encore hyper satisfaisante pour moi, puisque je n'ai pas encore fait vraiment mes décos Noël. Je m'y prends un peu tard cette année parce que il y avait des pneus devant ma cave dans laquelle se cachent toutes mes décos et toutes mes tasses de Noël. Pour tout vous raconter, voilà, je n'ai pas eu accès à ma cave avant maintenant, donc aujourd'hui le 8 décembre. J'ai pas eu accès à la cave avant et du coup là je sors petit à petit les décos de Noël. Il y a la caisse là derrière que je dois vider, mon sapin arrive demain. Puisque depuis l'année passée, même l'année d'avant, en fait, mes parents m'ont offert un sapin en pot qu'ils gardent en fait l'année dans leur jardin et qu'ils me ramènent chaque année. Donc j'ai beaucoup de chance, hein, j'en suis bien consciente. Et donc il arrive demain et je suis trop contente, je vais pouvoir le décorer un petit peu à ma façon. Voilà, ça c'est pour le point déco. Il y a un book haul qui va sortir sur la chaîne jeudi, alors je vous avais déjà dit ça dans le vlog précédent, hein, mais j'ai décidé de le reporter pour plein de raisons, je me suis un peu plainte sur Instagram, je vous en ai parlé, mais c'est rien de grave, hein, c'est simplement j'ai décidé de le publier une semaine plus tard, ce qui change rien à votre vie, il y aura même des livres en plus, donc voilà, il sera encore plus gros, donc on est content, non? Donc ça c'est pour le book haul qui va sortir. Et donc pour la vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de livres que j'ai lus, que je compte lire. Je vais commencer par, où est-ce qu'il est, le Christmas Carol, que j'ai un peu laissé de côté en fait. Je suis censée lire tous les jours 5 pages et je vous avoue que Christmas Carol, je l'ai un peu oublié dans ma valise quand je suis partie une nuit... ailleurs de chez moi, je l'avais mis dans ma valise et puis depuis, en fait, je ne l'ai plus sorti. Donc je l'ai oublié, en fait, clairement, je l'ai oublié. Donc c'est qu'il ne me manquait pas tant que ça, donc je passe pas le moment le plus satisfaisant de l'univers. Je ne suis pas encore trop dans l'ambiance de Noël ici, je ne suis pas encore trop loin du coup dans la lecture. Mais je compte bien sûr reprendre cette lecture, hein, donc ça fait partie de mon petit projet de la semaine, c'est de reprendre cette lecture. Alors, parlons des lectures. Parlons de Johanna Gustafsson. Alors, c'est un livre, je vous en ai parlé dans le dernier vlog, et je vous avoue, j'en ai marre. J'aime beaucoup ce livre, je passe un très chouette moment, mais il n'y a rien à faire, je vous en ai déjà parlé, quand je suis longtemps sur un livre, j'ai envie de passer à autre chose. Et je vous avoue que à la page 187, je suis un peu bloquée parce que j'ai envie de lire autre chose. Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai lu toute autre chose, je vous en parle juste après. Je vais le reprendre, hein, j'ai vraiment envie de le terminer du coup cette semaine pour vous en parler aussi, pour savoir les fins fonds, voilà, les explications et tout ça. C'est juste que quand je suis trop longtemps dans un livre, aussi bon le livre soit-il, ça va pas. Au bout d'un moment, je veux passer à autre chose, je veux vraiment changer de style. Du coup, mon but aussi cette semaine, c'est de terminer celui-ci, d'avancer un peu dans mon Christmas Carol. Lundi, mon compagnon a sélectionné une lecture. Je vous ai montré, je pense, un petit plan. Il a sélectionné Fragile Serment de Molly Keane. Et en fait, c'est un livre que j'avais envie de lire depuis super longtemps. Ça se passe dans les années 30. On est, je pense, en Angleterre ou en Irlande, je ne sais pas exactement. On est dans une petite famille. On va suivre une jeune dame qui a 3 enfants. Et cette jeune dame a l'air pas très sympathique. Elle est hyper superficielle, etc. Et on sait que son fils va arriver. Et son fils est resté un certain moment, il a été soigné parce qu'il avait des troubles psychiatriques et on ne sait pas trop lesquels. Et il va revenir en fait dans la maison et donc on attend son retour. Donc là on est dans une certaine attente, mais je vous avoue que je suis à la page 33. D'habitude quand il me passe, enfin quand il me choisit un livre le jour où il me le choisit, j'ai vraiment beaucoup de temps de train, donc je lis au moins 50 pages. Au moins, et là vraiment je suis à la page 33 péniblement parce que j'ai un peu du mal avec le style, j'ai beaucoup de mal en fait avec la manière dont c'est écrit. C'est pas mal écrit, hein, mais c'est que c'est pas très clair, il y a beaucoup de choses qui sont pas très claires pour moi, peut-être que mes deux neurones ne sont pas très connectés au moment où je lis, je ne sais pas, mais je suis pas très accrochée à ce style, je crois qu'il faut un petit peu s'adapter. Donc je crois que je vais attendre la page 50 pour me dire si je continue ou pas. Je vais voir, hein. Je dis page 50 mais ça peut être page 80 par exemple, parce que c'est vrai que pour certains livres, en 50 pages, on ne sait pas encore dire si on va apprécier ou pas. Alors j'ai lu une romance de Noël. Voilà.
J'ai lu La vie n'est pas un téléfilm de Noël. Je dois partir dans 7 minutes. Ça devrait aller. La vie n'est pas un téléfilm de Noël. Je l'ai lu sur Liseuse. J'ai décidé cette année de ne pas m'acheter 10 000 livres de Noël comme l'année passée. L'année passée, je fais n'importe quoi. J'avais acheté plein de livres de Noël pour ne pas les lire. Donc n'importe quoi. Je vais en lire de l'année passée. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'en ai acheté un en liseuse et j'en ai acheté un en papier que je vous montre juste après. Mais j'ai décidé que c'était pas plus, quoi. Voilà. Donc, j'ai lu La vie n'est pas un téléfilm de Noël. On va parler d'une jeune femme dont j'ai oublié le prénom. Hein, donc, c'est tout dire. Je l'ai fini hier soir le livre et j'ai oublié le prénom de l'héroïne. Ça nous raconte l'histoire donc, d'une jeune femme qui a ouvert sa boîte il y a 5 ans. Elle était photographe. Elle aime beaucoup faire des photos d'aliments. Enfin, vous savez, photographe de restaurants, etc. pour mettre en avant... des restaurants, des cafés, etc. Il y a un mot pour ça, mais je ne le connais plus. Voilà, je l'ai oublié. À chaque fois que je filme, il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui s'en vont, j'ai remarqué. C'est une jeune femme donc, qui travaille dans sa boîte depuis 5 ans. Elle a ouvert sa boîte avec un homme. Ils ont monté la boîte ensemble, ils ont engagé des gens. Et en fait, ils se sont mis ensemble. Ils ont décidé de se mettre ensemble et de se fiancer. Et en fait, là, on est 5 ans plus tard. La boîte marche super bien, mais elle, notre héroïne, ne va pas très bien parce qu'elle ne fait que travailler, elle ne pense à rien d'autre. Elle ne prend jamais le temps, en fait, de se reposer, ne fût-ce que même le week-end. Son fiancé, en fait, lui dit « Mais on va annuler ses vacances parce qu'on a beaucoup trop de boulot. » Et donc, elle commence à avoir des petits soucis, à pas se sentir bien. Et un jour, en fait, alors qu'elle a une réunion importante, il va y avoir des embouteillages, elle arrive jamais au boulot, et en fait, elle va décider d'aller à pied, et elle se perd dans les rues de Londres, et elle va tomber sur un petit café. Et dans ce café, en fait, elle va décider de s'installer, de toute façon, elle est en retard, elle va jamais arriver à la réunion importante, et elle va avoir un petit malaise, et on va un peu la secourir, et c'est là en fait qu'il y aura un déclic, qu'elle va se rendre compte qu'elle va pas bien, que vraiment il y a un problème, et surtout que sa relation de couple est problématique, parce que quand elle annonce qu'elle va être en retard, son compagnon ne lui demande absolument pas « Ah, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu vas bien. » Elle a quand même eu un malaise, quoi, donc on se rend compte qu'il y a vraiment un souci. Et on va un petit peu analyser d'ailleurs cette relation, on va un peu passer au scalpel cette relation, nous expliquer qu'il pense qu'au boulot, il passe plus de temps ensemble. Visiblement, elle est très épanouie comme ça, mais à chaque fois qu'elle parle avec ce mec, je me demande comment elle peut être épanouie, parce que franchement, il est ignoble. À chaque fois qu'il lui adresse la parole, c'est hyper égocentrique, il lui demande jamais comment elle va, enfin, c'est pas une vie de couple, quoi. Voilà, je me demande comment elle a fait pour tenir avec lui pendant tant d'années, hein. C'est vraiment bizarre. Mais bon, voilà, elle était aveuglée, et donc elle se rend compte qu'elle est avec un gars hyper toxique, un peu aidée par le destin, elle décide de faire une pause, de se reposer, de se ressourcer. Un petit peu la base des romances de Noël, hein, de changer un peu d'air, d'aller dans un petit village, avec de la neige, un petit village où il n'y a pas de connexion internet. Au début, j'avais quand même beaucoup de mal avec l'héroïne parce que bah, c'est un peu toujours le cas hein, dans ce style de roman. Il y a une transformation du personnage principal et ici, bah, le personnage de base est vraiment hyper chiant, quoi. Vraiment. Elle dit beaucoup de choses qui m'énervent. C'est une fille qui mise que sur l'apparence, qui oublie ses valeurs profondes parce qu'elle, en fait, elle est pas du tout comme ça de base et elle a changé. Elle s'est un peu transformée dans le monde du travail. Elle est devenue... hyper dans le commercial et tout ça, et dans l'apparence, et plus vraiment dans l'authenticité. Quand elle parle avec les gens, elle est assez insupportable. On voit tout de suite qu'il y a un souci avec son compagnon, il est ignoble, et donc on a envie de lui dire, mais ouvre les yeux, hein, genre en 3 minutes, tu vois bien que ton copain est une horreur, est une ordure, mais bon, elle met quand même plus de 3 minutes pour s'en rendre compte. Mais bon, ça je peux comprendre. Donc elle est au sein d'une relation toxique et on comprend et on compatit beaucoup, enfin franchement j'avais beaucoup d'empathie pour elle même si elle m'énervait. Il y a des moments du livre qui m'ont vraiment fait du bien, cette transformation, le fait de partir quand elle est arrivée dans son petit chalet, franchement je me retrouvais avec elle en fait, je sortais du monde du travail et je me retrouvais avec elle dans son petit chalet pittoresque, complètement paumé avec de la neige et franchement j'étais bien au moment où elle arrive, elle doit apprendre à faire du feu, ça marche pas, etc. Puis elle rencontre quelqu'un et même si c'est mignon, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée dans cette rencontre, même si le gars est vraiment chouette, mais il y a beaucoup de choses
Déjà, on a toute une page hyper homophobe et quand c'est des clichés un peu gnangnan, je peux passer. Mais autant il y a certaines choses, je peux pas passer. Et là, ça m'a énervée. C'était une réflexion du genre le gars lui annonce qu'il est super fan de Gilly Andrews. Et alors, tout d'un coup, elle s'arrête, elle dit ah, mais en fait, tu es homosexuel. J'avais l'impression de relire un Liane Moriarty. Oui, c'est pour ceux qui ont suivi. Voilà, je me dis, mais enfin, c'est quoi ce genre de réflexion? Enfin, ce genre de question, c'est parce qu'il aime Julie Andrews, qu'il est d'office homosexuel. Et enfin, je veux dire, à partir de quel moment aimer Julie Andrews définit ton orientation sexuelle? Je ne sais pas, mais bon, voilà, bref. Cette remarque m'a vraiment refroidie complètement, en fait. Parce que j'étais pas si mal dans cette lecture, et à partir de là, j'ai commencé à me dire, oh putain, non. Pardon, j'étais vulgaire, mais vraiment, il y a des choses dans les relations qui m'ont énervée. Il y a des moments où j'étais bien, mais à partir de cette réflexion-là, en fait, bizarrement, j'ai décroché et j'étais plus trop dedans. Et j'ai été très déçue aussi par la fin. Dans chaque romance de Noël, il y a certains codes, en fait, des choses qui reviennent. Et moi, j'aime bien, en fait, quand il y a le baiser final, parce que je ne vais pas vous mentir, il y a un baiser. Quand il y a ce passage, en général, ben, on a toujours un peu un épilogue ou un après, ou des choses qui changent aussi par rapport à la relation de base. Et là, en fait la conclusion est extrêmement brusque et ça m'a dérangée parce que on sait que notre héroïne par exemple elle attend sa meilleure amie qui va venir et moi j'attendais que son amie la voie et voit son changement et voit qu'elle va mieux et tout ça. Je vous spoil pas les gars, si vous me dites que je vous spoil, enfin je sais pas, moi je vous parle pas de romance de Noël alors parce que franchement tout est décidé d'avance, tu lis le résumé, tu sais très bien comment ça termine, donc ne m'en veuillez pas de vous spoiler. Mais je voulais vraiment que son amie vienne la voir et passe les fêtes avec elle, rencontre ses amis, rencontre ses nouvelles connaissances. Et ça a été brusquement terminé. Voilà, j'étais un petit peu frustrée pour le coup. C'est vrai qu'à partir de cette remarque hyper problématique, moi j'avais été déjà un petit peu à l'écart de cette lecture, mais j'ai quand même été déçue par cette fin qui m'a... qui m'a déçue, je ne sais plus parler. Voilà, et donc ça c'est pour la romance de Noël. Et sinon j'en ai acheté une autre, je sais pas si je vais la lire cette année, mais j'ai pris Embrasse l'hiver et Danse avec lui de Georgia Caldera. Et à la librairie Molière, on nous dit que c'est le coup de cœur de Julie. Je sais pas ce que j'allais dire. Le coup de cœur de Julie, donc Julie je compte sur toi. Je ne sais pas qui tu es. Mais je compte sur toi, hein, je te fais confiance. Et voilà. Bon, je vais vous laisser là parce que ça fait 3 minutes que je suis prête à partir. Hein, donc je vais vous laisser. Je vous retrouve plus tard pour vous parler de ces bazars-là, à mon avis, je suis pas certaine de continuer ça, je sais pas. Bref, je vous reparle de mes lectures et je vais peut-être commencer autre chose aussi. Je vous l'avoue, j'ai envie de commencer autre chose. Thank you.
Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est jeudi, je suis super contente de vous retrouver parce que là je suis vraiment dans un chouette mood de Noël, vraiment dans cette ambiance que j'aime tant, qu'on aime tous tant je pense à Noël. J'ai enfin pu monter mes décorations de Noël, on est le 9 décembre, donc là elles sont, je vais les installer ce soir parce que je vais recevoir mon sapin, je vous en ai parlé je pense. J'ai sorti aussi mes tasses de Noël puisqu'elles étaient aussi à la cave. Et je suis super contente de les retrouver, notamment celle-là que j'aimais beaucoup. J'avais acheté l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Je ne suis pas sûre qu'on puisse la retrouver facilement, malheureusement, mais j'en suis super fan. J'ai décidé cette année, fin de l'été, j'ai pris une décision hyper importante dans ma vie, vous allez voir, de n'acheter qu'une seule tasse par saison. Franchement, l'année passée, j'ai acheté énormément de tasses de Noël et je me rends compte vraiment que franchement. J'ai payé beaucoup d'argent pour des tasses, on est d'accord, même si c'est une collection que j'aime beaucoup. Et j'ai remarqué que c'était un truc de famille. J'ai vu chez ma marraine qu'il y avait une collection de théières. Je crois qu'elle doit avoir une trentaine de théières en métal. Et je me suis dit, oh ça va dans pas de nulle part, cette collectionnite aiguë de tasses et de théières. Mais donc voilà, la fille veut se dédouaner, se dit, oh c'est une maladie familiale, n'importe quoi. Mais... du coup j'ai décidé de n'acheter qu'une tasse par saison. Et donc j'ai trouvé cette tasse, je l'ai prise et je vous la montrerai à l'occasion. Et quoi d'autre? Oui, je vais vous parler un petit peu de mes lectures. Avant de vous parler de mes lectures, je vous parle juste d'un thé que j'ai goûté récemment. Et alors je suis en train d'essayer de retrouver une alternative à mon thé à la citrouille que je trouve extraordinaire, mais qui est très difficile à trouver. Et donc j'en ai presque plus, il me reste une dose de thé à la citrouille et donc je voulais un thé aussi réconfortant que ce thé là. Et alors c'est pas le même goût, mais on est vraiment dans ce même style de goût un petit peu sucré. Ici c'est thé noir vanille noisette, c'est la ronde d'automne, tout à fait de saison, mais on est toujours en automne en fait, hein, en soi. Et en fait c'est de la compagnie coloniale, un truc qui vient de Paris. Et en fait c'est pas trop cher au niveau de la marque et c'est vraiment très bon, je trouve que c'est hyper réconfortant et franchement j'aime beaucoup. Moi j'aime pas trop la vanille dans les thés, mais quand c'est bien fait, quand c'est bien dosé, ça peut être délicieux. Et ici franchement j'aime beaucoup, franchement j'ai été agréablement surprise par ce thé. Et donc je suis contente parce que jusqu'à ce que je retrouve ce thé merveilleux à la, à la citrouille, je pense que ça peut faire l'affaire parce que c'est vraiment très bon. Seul truc, c'est pas un thé très cher comme je vous l'ai dit, mais c'est pas un thé bio. Donc je vois à aucun endroit que c'est marqué thé bio. Même si c'est pas un thé bio, j'ai l'impression qu'au niveau de la qualité du thé, ça doit être un très bon thé. Et je trouve que les arômes ne sont pas trop prononcés, comme vous savez, les arômes hyper chimiques de Kushmi, c'est vraiment pas mon truc ici. Je trouve que c'est assez naturel et franchement j'aime beaucoup. On va parler de lecture. Je me suis replongée, je pensais vraiment que j'allais l'abandonner, mais en fait j'ai envie de savoir la fin de cette lecture. Je me suis replongée dans ma lecture du Johanna Gustafsson, donc Te tenir la main pendant que tout brûle. Je vais pas vous refaire un résumé, je pense que je vous ferai un mini résumé quand j'aurai terminé. Je suis en train en fait de le terminer, je pense le terminer aujourd'hui. Donc je suis vraiment super contente de cette lecture parce que je retrouve l'engouement que j'avais quand je l'ai commencé. Donc je suis vraiment contente et j'ai vraiment hâte de savoir le fin mot de l'histoire, même s'il y a des choses que je devine un petit peu. Voilà, j'ai hâte de vous en parler et en fait ma prochaine lecture, j'ai très envie que vous la choisissiez et donc j'ai mis, enfin je vais mettre, mais alors vous voyez cette vidéo, j'aurais déjà mis des propositions de livres à lire, donc je vais faire ça avant lundi puisque lundi c'est mon compagnon qui choisit ma lecture. Donc ça c'est pour le thriller que je suis en train de lire. Et alors je suis en train de lire une autre romance de Noël. Je suis pas sûre que je vais la continuer, il s'agit de L'ours m'a léché machin là. Je suis en train de lire le truc de L'ours m'a léché, je vous mets la couverture ici. C'est un livre qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui rêve d'avoir un enfant. Et alors les premières scènes en fait, c'est des scènes olé olé avec son compagnon, elle essaye de faire un enfant et vraiment il y a une espèce de rancœur de l'un pour l'autre, enfin vraiment il y a quelque chose qui va pas dans cette relation de couple, on le voit bien. Et donc cette jeune femme, elle veut absolument avoir un enfant et en fait elle se rend compte qu'elle est plus amoureuse de son compagnon et donc elle veut lui avouer et donc enfin voilà, c'est pas facile parce qu'elle est avec lui depuis très très longtemps. Je vous en dis pas plus. Alors il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, que j'aime beaucoup, et d'autres choses que j'aime beaucoup moins qui m'agacent un petit peu, comme souvent dans une romance de Noël. Franchement j'essaie de retrouver des romances de Noël
aussi bien que celle de Johanna Bolloré. Alors maintenant, si je me remets à lire Johanna Bolloré, peut-être que je verrai plein de trucs qui vont pas, mais en tout cas, je sais que j'avais tellement aimé cette autrice que j'ai envie de trouver quelque chose qui me fasse autant de bien que Johanna Bolloré. Pour le moment, c'est pas trop le cas, il y a toujours des trucs qui me chiffonnent. Ici, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on nous parle de la pression sociale que ressent notre héroïne. Alors, elle a absolument envie d'un enfant. C'est hyper important pour elle. Autour d'elle, tout le monde, toutes les femmes ont des enfants, sont enceintes, et il y a ce côté, elle est très touchée par ça parce qu'elle va à une baby shower et elle se rend compte que bah, les gens lui posent tout le temps la question, alors et toi t'es la prochaine, et j'aime bien le fait qu'on mette en évidence que oui, ça arrive beaucoup en fait, ce genre de pression de et toi t'es la prochaine, alors que ça regarde pas forcément les autres gens, et que c'est quand même une question très privée, la question de faire un enfant, ça regarde que soi et que le couple éventuellement, ou enfin vous voyez ce que je veux dire, mais là vraiment j'ai bien aimé que notre héroïne se rebelle en disant mais en fait ça vous regarde pas quoi, j'ai bien aimé qu'elle en parle. Maintenant, c'est vrai que dans ce livre, on ne parle que des femmes qui ont et qui veulent avoir un enfant. Donc, enfin, voilà, on est sur ce point de vue-là. On n'a pas forcément de point de vue d'autres gens et c'est pas le but non plus de l'histoire. On n'a que des femmes qui veulent avoir des enfants. Donc ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Une chose qui m'embête un petit peu et que je retrouve beaucoup dans les romances, et c'est pas vraiment une problématique, c'est juste quelque chose, une réflexion que je me fais, c'est que souvent dans les romances, la fille qui ne lit jamais de romance, hein, mais j'en ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune. Souvent dans les romances, on a une jeune fille, une jeune femme, un jeune homme, peu importe, qui est en couple depuis longtemps avec quelqu'un, et puis tout à coup, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas dans le couple, et on met en évidence tous les défauts de la relation, et toutes les relations du début de romance semblent toujours très toxiques. Et quand elle rencontre quelqu'un d'autre, et c'est toujours quelqu'un de merveilleux, enfin sauf ici, mais je pense que ça va être quelqu'un de merveilleux par après. Mais il y a toujours ce côté dans la romance, l'ex est une ignoble personne qui a plein de défauts, qui est vraiment horrible, et la nouvelle personne est toujours merveilleuse. Et ça m'énerve un peu parce que dans la vie, ben c'est pas, la vie n'est pas faite que de gens toxiques. Alors, et je trouve ça un peu toujours embêtant de toujours mettre dans un scénario de romance, toujours mettre un personnage, un ex toxique. Pourquoi est-ce que tous les ex doivent être toxiques? Ben, je sais pas, il y a aussi des ex très bienveillants et il y a juste les chemins ne vont plus bien ensemble. Et voilà, mais là vraiment, c'est la deuxième romance que je lis où tout d'un coup on voit que les défauts et tu te dis, mais pendant 20 ans, t'as jamais remarqué ce défaut-là, c'est quand même bizarre. Le défaut qu'elle remarque tout d'un coup qu'en fait il n'est pas très empathique, qu'en fait il veut pas faire une analyse je crois de sperme ou un truc comme ça pour voir si le problème vient pas de lui, il est hyper macho et tout, et limite il lui dit mais d'office que le problème vient de toi, ça peut pas venir de moi, et enfin tout ce genre de choses, de problématiques qu'elle remarque là dans le livre mais alors que ça fait 20 ans qu'elle est avec lui, donc elle devrait s'en être rendue compte quand même. Bon, j'ai essayé d'un peu éclaircir, mais y a pas beaucoup de lumière. Et donc oui, ça m'énerve un petit peu que dans toutes les romances, parce que c'est du coup je me souviens de pas mal de romances que j'ai pu lire, c'était toujours ça. C'était l'ex, c'était ignoble, et se rendait compte au début du roman qu'en fait il avait ci, il avait ça. Déjà, c'est bizarre que tu t'en rends compte que maintenant. Toutes les relations au monde ne finissent pas parce que tout d'un coup, on se rend compte que l'autre est problématique. Enfin, nous, il y a aussi des gens bien qui se quittent parce que, leur vie, ils n'ont plus les mêmes idéaux, je ne sais pas moi, ils n'ont plus les mêmes projets de vie, ils n'ont plus envie d'être ensemble. Enfin, il y a plein de raisons, plein de raisons. Et dans les romances, les ex sont toujours des connards. Et ça m'énerve un peu. Voilà, je suis à la défense là, je défends les ex. Mais bien sûr, il faut toujours une situation initiale. Et du coup c'est un truc qui me crispe un petit peu, il faut toujours une situation initiale où l'héroïne est un petit peu la femme qui doit être sauvée et il y a ce côté prince charmant qui va la sauver, alors ici c'est pas encore le cas mais je pense que dans celle que je viens de dire c'est un petit peu ça, hein. C'est souvent au début elle a le cœur brisé, il faut vraiment qu'un homme la sauve parce qu'il n'y a qu'un homme qui puisse la sauver hein, bien sûr, et c'est ça qui m'énerve un petit peu, le côté demoiselle en détresse qui ne peut être sauvée que par un homme, on est dans des relation très hétéro ici hein, pour le coup, et ça m'énerve un peu de retrouver ce genre de schéma, et souvent dans les romans j'ai vraiment l'impression que le nouveau est un peu le pansement, forcément la nouvelle personne a l'air merveilleuse par rapport au précédent. Enfin voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, pour le moment je suis pas sûre de continuer parce que la rencontre avec le monsieur l'ours mal léché là, ça m'embête un peu, mais peut-être que ça va me plaire, je sais pas, je vais encore un petit peu continuer mais je m'en voudrais pas si je l'abandonne.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai aussi, oui, j'ai reçu des livres par la poste, mais en fait, je vous les montrerai plus tard parce que je déteste cette luminosité, je la trouve vraiment pourrie. Et en plus, j'ai rendez-vous avec ma petite Céline dans 3 quarts d'heure, donc j'ai envie de partir et d'arriver à temps. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard. Un petit peu plus tard pour vous parler de mes lectures vu que j'ai terminé 2 livres. Voilà, c'est assez surprenant. Puis oui, j'ai terminé 2 livres. J'ai des petites réceptions aussi dont je dois vous parler et c'est tout, je pense. Je pensais insérer dans cette vidéo le tag de Noël. Vous savez, le tag fait par Steph de Pikiti et Laura's Reading. Et je pense que je vais le mettre plutôt dans le vlog prochain, qui sera du coup un long vlog. Celui-ci sera un peu plus court. Enfin, ça dépend ce que je peux encore raconter comme bêtise. Mais je pense que le vlog sera pas trop long aujourd'hui. Je ferai ce tag dans le vlog prochain. Parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps de réfléchir aux réponses aux questions. Je me rends compte que je suis pas du tout prête. Et j'ai pas le temps de faire ça d'ici la publication de ce vlog. C'est pas très important pour vous. Mais comme ça, vous savez que dans le vlog prochain, ce sera un vlog bien Noël, bien chouette et tout. Enfin, chouette, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je vais prendre pas mal de temps pour vous parler de certaines choses et surtout, je vous ferai du coup ce tag de Noël que je trouve vraiment très très chouette. Donc, je vais plutôt vous parler de ce que je vais raconter aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? J'ai enfin, on n'y croyait plus, moi non plus, terminé Te tenir la main pendant que tout brûle de Johanna Gustafsson. Alors, je vous fais un résumé bref parce que je pense qu'il y a 2 vlogs, je vous parlais déjà de ce livre en vous faisant un résumé. Donc vite fait, on va parler de Maxine Grant qui est une inspectrice de police qui a été en congé pendant un petit moment parce qu'elle a perdu son mari et aussi elle a eu un enfant, et donc bon, son congé de maternité, et donc elle revient sur le terrain avec un cadavre qui a été retrouvé. Donc c'est un homme qui a été poignardé 31 fois par sa femme Pauline Caron. Il semblerait que sa femme, que Pauline Caron, voilà, avait envie de d'assassiner son mari, et on sait pas pourquoi par contre, parce que cette femme ne parle pas. Cette femme, c'est une institutrice, l'ancienne institutrice du village. C'était d'ailleurs l'ancienne institutrice de Maxine, notre héroïne. Et donc le but un petit peu de ce livre, c'est de découvrir pourquoi est-ce que cette femme a assassiné son mari, et si c'est bien elle, bien sûr, qui a assassiné son mari. Mais bon, tout laisse à croire que c'est elle. On a ça, et on a en parallèle l'histoire d'une jeune fille, Lina, qui dans les années 50 se fait un petit peu embêter à l'école, et elle va régulièrement voir sa mère dans une sorte de maison de repos, une maison, une sorte d'asile psychiatrique qui a été transformée en maison de repos, et elle va voir régulièrement sa mère et elle va rencontrer une vieille dame avec laquelle elle va lier des liens, et cette vieille dame va l'aider justement par rapport à ses relations compliquées à l'école notamment. Et alors on est dans les années 1899, je crois que c'est ça, hein, ouais, fin 19e siècle. On va suivre une dame qui vient de perdre ses 2 filles dans un incendie. Alors, elle ne sait pas si elles sont mortes ou... Enfin, vraiment, elle se demande si elles n'ont pas disparu, tout simplement, parce qu'on ne les a pas retrouvées dans l'incendie. Donc, il y a eu un incendie dans la maison et on n'a pas retrouvé les petites filles. Et donc, bah oui, c'est un peu... Elle va faire un peu une recherche pour savoir si ces filles... Où sont ses filles? Elle est complètement perturbée. Et donc, on a ces 3 histoires en même temps. Maxine, qui est une jeune mère. Donc, je vous donne déjà un petit peu mon appréciation dans ce résumé, parce que on a Maxine, qui est une fille. On voit que c'est une jeune mère qui est très, très fatiguée, forcément. Elle dort presque pas à cause de son gosse qui... Enfin, bon, voilà, c'est normal. C'est une jeune mère. Et du coup, ça se ressent dans son enquête. Il y a un côté très, très réaliste et très chouette, du coup.
dans sa manière de communiquer avec les autres, parce qu'elle est hyper fatiguée, ça se ressent très fort. En même temps, c'est quelqu'un de très pétillant. On a des personnages secondaires aussi très pétillants, très chouettes, une chouette équipe de police. Je vous ai dit dans le dernier vlog qu'il y avait des petites blagues coquinous, de blagues de cul, hein, clairement, sur les scènes de crime. Bah oui, ça continue un petit peu. Je trouvais ça fun, je trouvais ça divertissant, parce que justement, ça allégeait un petit peu cette atmosphère. Il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées dans cette lecture. Il y a des retournements de cette situation que j'ai trouvé vraiment intéressants, vraiment qui étaient plutôt bien faits, assez originaux aussi. Donc vraiment, il y a une rencontre dans le passé avec un personnage que j'apprécie particulièrement, et la rencontre ne dure pas longtemps, mais moi j'ai apprécié le petit clin d'œil. Il y a un petit clin d'œil à Harry Potter à un moment, c'est marrant, c'est drôle. Je vous laisse vraiment découvrir pourquoi. Donc il y a vraiment des choses, il y a une ambiance un peu bon enfant entre ces personnages, entre Jules et Maxine. Quelque chose, parfois j'avais l'impression de suivre un peu des ados par moment. Dans le dernier vlog, je vous avais dit que par moment, lors de la description de certains personnages, on passait du temps à les décrire de manière parfois un peu flatteuse comme ça, notamment le personnage de Gina qui est la psychologue, et j'ai jamais compris pourquoi l'autrice a fait ça. Voilà, comme ça j'avais envie de vous le dire. Moi, c'est une lecture qui sera pas non plus un énorme coup de cœur. Je crois que ça vient aussi de mon expérience de lecture, puisque c'est un livre que j'ai lu sur un long laps de temps, alors que pourtant, il n'y a aucune raison. C'est vraiment un livre qui se dévore. C'est un livre qui se lit, franchement, si vous voulez un livre qui se dévore, je pense vraiment qu'il peut vous convenir. Mais moi, c'est une question de circonstances, c'est une question de ton état d'esprit dans la vie, bazar, quand tu lis le livre, hein, c'est un peu souvent comme ça. Je pense vraiment que j'étais pas forcément... Ça n'a pas mis en évidence ce livre, le fait de le lire sur 2 semaines. C'était un petit peu trop long pour l'apprécier. Du coup, j'avais envie, je vous avoue, de le terminer. D'avoir un petit peu le fin mot de l'histoire. Je ne suis pas certaine d'avoir trouvé toutes les révélations hyper cohérentes. Maintenant, il faudrait que je relise le livre pour vraiment répondre à cette question que je me fais. Donc je peux pas vous dire, ah bah non, c'est incohérent. Mais c'est vrai que y a certaines choses qui me semblent un petit peu folles. Mais bon, pourquoi pas, je trouve le truc vraiment intéressant, vraiment bien fait, mais c'est juste que je suis pas sûre, il faut que je relise pour voir si c'est cohérent en fait, voilà. Parce que ça me paraît gros en fait, quand je lis une des révélations, une des choses de la fin du récit, je me dis « Oh ouais, quand même !» Je sais pas vous en dire beaucoup plus, je pense vraiment qu'avec un petit peu de temps, parce que je l'ai terminé hier, avec un petit peu plus de temps, je pourrais mieux vous en parler, peut-être dans un point lecture, parce que j'ai besoin d'un peu digérer ce livre. Je vous dis ça avec beaucoup de livres, mais celui-là particulièrement, j'ai vraiment besoin de le digérer pour vous dire, parce qu'il y a un truc que j'aimerais vous dire au niveau de la sensation que j'ai eue durant tout le récit, et j'arrive pas à mettre des mots dessus. Ça sert à rien que j'essaye, parce que j'arrive pas à dire... Il y a une chose qui m'a un peu dérangée durant toute la lecture, et je n'arrive pas à mettre le doigt sur cette chose. Même si je vois hein, ce qui m'a dérangée, mais je n'arrive pas à l'exprimer. J'ai terminé ensuite la romance de Noël, donc l'ours mal léché, bazar là. Je vous avoue que j'ai lu mon deuxième moitié en accéléré, parce que je n'étais plus trop intéressée par l'histoire, malgré le fait qu'il y ait des choses plutôt sympas dans cette lecture de Noël. Donc je pense que je vous ai fait un résumé déjà de cette lecture. On va suivre une jeune femme, je ne sais plus son nom de nouveau, comme souvent dans les romances, qui, non, elle s'appelle Irène, parce qu'il y a un jeu de mots à un moment avec des reines, bref. On va suivre une jeune femme, Irène, qui rêve d'avoir un enfant. C'est très difficile avec son mari, avec son compagnon, ils essaient d'avoir un enfant, et on arrive au moment où ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble, et ils se disent, ben voilà, ça fait un an qu'on essaie d'avoir un enfant, ça ne marche pas, peut-être qu'on devrait aller consulter l'un et l'autre. Et sauf que le gars, il veut pas consulter, il se dit, bah non, c'est pas moi, c'est toi d'office, enfin, pourquoi ce serait moi, enfin bref, connard, bon, j'ai pas aucune empathie. Et donc là, elle se pose des questions du coup sur son couple, elle se rend compte qu'en fait elle est plus amoureuse de son mec, et donc elle lui avoue, elle lui dit, bah voilà, je suis plus amoureuse. Et donc elle va partir, je vous laisse un peu découvrir la circonstance, elle va arriver dans un petit village paumé, comme d'habitude, souvent dans les romances de Noël, et elle va arriver dans ce village, et son voisin est une espèce de bougon rustre, mais qui a un fils de 9 ans qui est particulièrement pétillant, et elle va s'engueuler au début avec ce voisin, parce qu'à un moment elle va ramener son fils de l'école sans lui demander la permission, donc...
Oui, ça se fait pas vraiment en fait, hein, mais bon. Alors qu'elle vient d'arriver dans la ville, personne la connaît, paf, elle prend ce garçon pour le ramener à la maison, même si ça vient d'une bonne intention, ne faites pas ça. Donc la relation entre ces deux-là commence très très mal, il est hyper rustre, enfin pas très bien élevé aussi. Donc cette rencontre, oui, on se dit, bah voilà, ça va être un amour-haine, une petite romance qui peut être vraiment chouette. Il y a des choses que j'ai bien appréciées et qui viennent un peu contredire ce que j'ai dit la dernière fois. Je vous avais pris en vlog et j'avais râlé, je me souviens. Et il y a des choses que j'ai dites qui sont un peu... qui changent un peu dans ce livre, en fait. Vraiment, je suis contente parce que du coup, je me contredis avec ce roman-ci. Cette romance, il y a certaines choses qui se passent autrement que dans les romances habituelles. Et ça, j'ai plutôt bien apprécié, notamment par rapport à Lex. Je trouve aussi que la relation entre les deux personnages est vraiment très belle. Il y a bien sûr toujours des petites choses qui m'embêtent un peu, mais franchement, c'était pas flagrant. Il y a juste 2-3 choses qui m'embêtent. Il y a un personnage masculin qu'on rencontre sur la fin qui est anormalement méchant. Et je trouve que le gamin de 9 ans ne parle pas du tout comme un gamin de 9 ans. Donc je pense sincèrement que ce gamin de 9 ans parle pas comme un vrai gamin de 9 ans. Hein. Tout ce qu'il dit, il y a des trucs très mignons et tout, c'est chouette, mais... En fait, non, un gamin de 9 ans ne dit pas ce genre de choses, ou en tout cas, enfin, bref, il y a des trucs dans son comportement qui sont pas très crédibles, quoi, et du coup, moi, ça m'agace un petit peu, parce que ça manque un peu de crédibilité, mais je trouvais quand même que l'histoire d'amour était très sympa. Moi, la raison aussi pour laquelle j'ai un peu arrêté, et que j'ai lu en accéléré la deuxième partie, c'est que ça, en fait, elle rencontre ce monsieur, et ce monsieur, c'est un homme endeuillé, qui a perdu sa femme, qui est encore dans un chagrin d'amour. Et du coup, je savais qu'il allait avoir une notion de tristesse dans ce livre, qu'il allait avoir, un rapport au deuil. Et je vous avoue que dans une romance de Noël, j'ai pas envie de parler de deuil. J'ai envie de rigoler, j'ai pas envie de parler de relations qui se basent sur quelque chose de très triste. J'ai vraiment envie de quelque chose de fun, de joyeux. Et là, je me rendais compte que non, ok, j'ai lu vite parce que j'étais quand même attachée à cette histoire. Mais voilà, ce sera pas la romance de Noël que je retiendrai longtemps. Mais sachez que franchement, elle est beaucoup moins problématique que plein de romances de Noël que j'ai pu lire. Ça se laisse lire, c'est vraiment avec des personnages attachants, malgré ce que je vous ai dit juste avant avec le personnage de 9 ans. Il est hyper attachant ce gosse, c'est juste que moi je le trouve pas réaliste, c'est tout. Je n'ai jamais rencontré un gosse de 9 ans comme ça. Pourtant, bah, j'ai plein d'élèves de 9 ans, donc voilà. Mais voilà, ça c'est pour ma petite romance de Noël. Donc j'ai lu 2 romances de Noël. Et là je pense que j'en ai plus trop besoin pour le moment. Donc je vais peut-être attendre un jour ou deux. La fille, n'importe quoi. Je suis en train de re-regarder Holiday. Chaque année, comme d'hab. Et à chaque fois, c'est tellement bien ce film en fait que je pleure au bout de 10 minutes. Il faut dire que c'est bien joué. Sinon, je voulais vous parler de quelques petites nouveautés. Aujourd'hui, dans mon calendrier de l'Avent, avec mon amie Céline, j'ai reçu un livre. Donc je vais vous le montrer. Donc, il s'agit de L'Empire des Chimères de Antoine Chénas. C'est ça, Chénas, oui. Donc on avait fait une petite liste de 8 livres et on pouvait s'en offrir 2. Et toutes les deux, on en a mis 4. Voilà. Et donc elle m'a mis celui-ci, je suis trop contente. Le but c'était quand même de s'offrir des poches. Et celui-là, visiblement, je pense qu'elle doit l'avoir trouvé chez Momox. Et parfois chez Momox, il y a des trucs... tu sais pas trop en fait le format. Ou alors peut-être que le poche n'était pas disponible. Je vous avoue que je suis hyper contente parce que j'aime beaucoup en fait cette édition, cette collection série noire de Gallimard. Je la trouve hyper confortable. Sinon ce livre est dispo chez Folio Poche. Franchement je trouve le confort de lecture, ça a l'air super confortable. Ici on est avec un roman noir, ça se passe en 1983. On va suivre la disparition d'une petite fille dans un village. Et en fait dans ce village il y a un parc à thème. Un parc, alors je sais pas trop quel type de parc c'est, mais visiblement il y a des jeux de rôle, il paraît que c'est... Enfin, il paraît n'importe quoi, ça n'existe pas, c'est dans le livre. Ça a l'air hyper immersif, addictif, et les adolescents, visiblement, sont hyper accros à ce parc, et ça a l'air... Enfin, ça m'intrigue beaucoup, cette histoire de l'Empire des Chimères. Écoutez, j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé avec cette petite fille, ça a l'air vraiment chouette, c'est quand même un petit pavé, donc je suis trop contente. Et alors, j'ai été réceptionner des colis. J'avais réservé, j'avais commandé, je vous en avais parlé, Christmas Pudding, que je vais bientôt lire, je pense. Il s'agit d'un livre de Nancy Mitford, c'est une autrice, il me semble, anglaise. Oui, c'est pour ça que je l'ai acheté, Isabelle, donc oui, c'est une autrice anglaise. C'est une réunion de différents personnages autour de Noël, et il y a pas mal de piques qui se font les uns aux autres, et visiblement, l'humour est hyper british, c'est hyper
fin comme humour, hyper savoureux. Et moi, c'est un peu ce que je recherche, l'amour. L'amour. La petite fin de lapsus. Je recherche l'amour, pas du tout. N'importe quoi. L'humour british, c'est un peu ce que j'aime. C'est vraiment ce que j'aime. J'ai hâte de le lire. Alors, je sais pas, enfin, j'ai envie de le lire cette année, mais j'ai envie de lire plein de livres cette année autour de Noël. Donc, je pense que je vais pas tout pouvoir lire. Donc, ce sera peut-être l'année prochaine. Mais je vais peut-être le mettre dans ma sélection. J'ai envie de vous faire voter ma prochaine lecture. Comme j'ai fini mon thriller, j'ai vraiment envie de vous faire voter ma prochaine lecture. Et donc, ce sera un des 4 livres que je vous ferai voter. J'ai craqué suite à une recommandation. Je pense que c'est Darling Daisy sur sa chaîne qui a conseiller ce livre qui est Cozy, The British Art of Comfort. Donc c'est un petit peu l'explication de tout ce qu'on peut faire pour être cozy. Alors je sais très bien ce qu'on peut faire pour être cozy, mais j'aime bien le fait que c'est un petit peu l'art anglais du confort, enfin l'art britannique du confort, l'art britannique d'être cozy. Et alors il y a des petites illustrations. On nous explique de se servir une tasse de thé, les vêtements à porter pour être cosy, les saisons, enfin honnêtement j'étais très intriguée par cette lecture. Je l'ai vue pas cher sur un site, c'était Momox, je sais plus, c'est Book. J'ai fait une commande sur 3 sites différents, donc c'était peut-être Book Depository. Moi j'ai vraiment hâte de découvrir ça. À un moment je pense que j'aurais besoin de réconfort, que ce soit pendant l'année, des petits moments un peu stressants où t'as envie d'un petit peu te poser, ou justement pendant des vacances, ça peut être super chouette. Je sais pas trop à quel moment, mais je vais le découvrir. C'est en anglais, je pense pas qu'il a été traduit en français, j'avais regardé. Et le dernier, c'est un livre, enfin non, c'est l'avant-dernier, mais le dernier, je sais pas où il est, je sais pas où je l'ai mis. Il est... Non, il est pas là. Oh, je sais pas où je l'ai mis. Franchement, je suis bordélique, hein, au cas où vous auriez pas compris. C'est un livre que j'ai eu envie de m'acheter en français parce qu'il est sorti chez La Talente. Je pense que ça doit être aussi Darling Daisy qui en a parlé. C'est un livre en fait qui s'inspire du conte. Alors, est-ce que c'est les contes? À chaque fois, je me trompe. Je sais plus si c'est le conte des 6 cygnes de Grimm ou le conte des 12 princesses de Andersen, mais un des deux. Et elle en avait parlé en disant que c'était une super chouette réécriture de conte. Et ça a été publié donc en français, traduit par les éditions La Talente. Et ça me tentait énormément. Mais je vous avoue que je pense qu'il était près de 18€. Et j'ai trouvé chez Book Depository une version en anglais. Non, c'est pas Book, c'est un autre site, je sais plus. Bref, j'ai trouvé la version en anglais de ce livre. J'espère que ça ira parce qu'on est quand même un petit peu sur de la fantaisie, on est sur du adulte. C'est un livre de Juliette Marillier. C'est une autrice dont j'ai entendu beaucoup parler sur le booktube anglophone, mais pas du tout sur le booktube francophone. Du coup, je suis hyper intriguée. Il s'agit de Daughter of the Forest, donc Fille de la Forêt. C'est une saga qui a l'air super chouette. On nous dit que c'est un petit peu une romance avec des inspirations celtiques. Et donc, bah, forcément, inspirée de ce conte, à mon avis, ça doit être les 6 cygnes parce que je vois 6 cygnes qui sont en train de voler, donc des frères Grimm. Ça a l'air vraiment chouette. Je pense qu'on est dans un univers un petit peu mystique, dans la forêt. Enfin, ça a l'air vraiment chouette. Oui, il y a forêt dans le titre. Donc, Isabelle, ça devrait te rappeler la forêt. Visiblement, c'est un peu dans la tradition du truc d'Avalon. Vous savez, je sais plus, de Mist, la brume d'Avalon, les brumes d'Avalon. Ben écoutez, je suis très intriguée par ce livre. Maintenant, j'ai un petit peu peur du niveau d'anglais parce qu'on est sur un livre un peu plutôt adulte. Ça va, la première page et ça va, mais j'ai vraiment peur de ce qu'on va retrouver et c'est pas hyper confortable au niveau du confort de lecture. C'est juste que, je voulais l'acheter en français et c'était vraiment cher et j'avais envie de lire assez vite et je vais certainement le lire dans 3 ans et il sera sorti en poche et j'aurais payé, pas trop cher, ça va, mais je crois 8€, un truc comme ça. Mais bon, je me connais par cœur. Et alors je me suis acheté un livre dont je vous avais parlé dans ma pile à lire de l'hiver, ou je sais plus, j'avais fait une pile à lire là, de décembre, je l'ai acheté. Je vous en parlerai quand je le retrouverai, hein. La fille bordélique doit retrouver son livre. Et oui, en fait, j'ai été le chercher hein, parce que je trouvais ça un petit peu honteux de ne pas vous en parler grâce à, vous savez, les liens d'affiliation Amazon que je mettais avant.
J'ai récolté, je pense, 25 euros. Là, récemment, du coup, j'ai commandé des trucs que j'avais envie. Donc, il y a celui-ci et deux livres qui doivent encore arriver. Ça fait maintenant presque 2-3 mois, je pense, enfin, même plus, que je mets plus de liens Amazon en barre d'infos, de liens affiliés, mais il y a des anciennes vidéos qui ont encore ces liens. Et je vous avoue que j'ai un peu la flemme d'aller dans toutes mes anciennes vidéos enlever tous les liens d'affiliation. Voilà, j'avais décidé de ne plus mettre des liens d'affiliation pour des raisons... à mon avis assez évidente, hein, je pense. Mais voilà, j'en profite, j'allais pas cracher sur, sur l'utilisation des liens d'affiliation. Qu'est-ce que c'est que cette luminosité? Mais n'importe quoi! Dites, ça va aller? J'aimerais bien encore qu'on me voit. Bon, qu'on voit mon sapin, c'est encore mieux. Du coup, j'ai acheté ce livre-là et deux autres que je n'ai pas encore reçus. Peut-être que je vous en parlerai demain, vite fait, en clôturant le blog, puisqu'ils arrivent demain, normalement. C'est des livres en anglais. Bah oui, forcément, hein. En ce moment, je suis à fond dans les livres en anglais, même si j'en lis pas, hein. Bah si, je suis en train de lire Christmas Carol. Donc j'ai pris Holiday by Gaslight, je vous en avais parlé. Il s'agit d'une romance victorienne, pile poil parfaite pour l'hiver, celui-là. Je suis pas sûre de le lire à Noël, je pense le lire plutôt autour de janvier, en fait, juste après les fêtes. Je pensais vers le 26-27 décembre, entre les deux ou après, pour avoir encore cette atmosphère de Noël. C'est pas très long, c'était pas très cher aussi. C'est une histoire d'amour à l'époque victorienne, donc c'est vraiment très très court, à mon avis, ça se lit très très vite. Pareil, j'ai lu quelques extraits et franchement, ça va au niveau du style. J'avais très peur de nouveau, mais ça va. Et écoutez, ça me tente beaucoup. Enfin, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Il n'a pas été traduit en français, mais voilà, peut-être que ça va sortir, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a pas mal de succès dans la zone anglophone. Et je vais vous laisser, on a sonné à ma porte. Hello, je vous retrouve pour doucement et sûrement clôturer ce vlog, puisque nous sommes à la fin du vlog, hein, tout simplement. Il n'y a pas trop d'autres raisons. Je vous retrouve pour vous parler de certaines petites choses, notamment de lecture. La tasse dont je vous parlais dernièrement, c'est celle-ci. Je la trouve trop chouette et très confortable. Et en parlant de tasse, je vois qu'il y a du thé à l'intérieur, un reste de thé. Et justement, en parlant de thé, je vous avais parlé dans le dernier vlog du calendrier de l'Avent de Teetower bio que j'ai cette année. Je vous avoue que c'est pas... Pour le moment, c'est pas une grosse réussite. Il n'y a aucun thé pour lequel je me dis oh, je le rachèterai bien et tant mieux hein, pour mon portefeuille. Mais j'avais acheté quand même ce calendrier en espérant peut-être me guider la prochaine fois que j'irai soit sur place à Namur ou que j'irai commander l'année prochaine, je ne sais pas, un ou deux thés. Et là vraiment, il n'y en a aucun qui m'enchante plus que ça. Il y en a un avec de la vanille, alors que c'est pas trop mon truc, qui me plaisait bien, mais je suis pas sûre d'avoir envie. Enfin, j'en ai tellement à la maison, enfin, j'en ai pas besoin. Mais il n'y en a aucun qui m'a fait un effet particulier. Donc pour le moment, c'est un petit peu une petite déception. Nous sommes le 11 décembre, donc il y a encore moyen qu'il y ait quelques thés qui me plaisent, mais c'est pas que ça me déplaît, hein, c'est juste qu'il n'y a rien d'extraordinaire pour le moment. Voilà. Donc ça, c'est concernant le thé. Je vais le déposer là. Lors du dernier plan, je vous avais parlé d'une réception que j'ai faite sur un site que je ne nommerai pas grâce à vos... grâce à vos commandes, je vous avais dit hein, que j'avais encore les liens d'affiliation Amazon de mes anciennes vidéos, je ne les ai pas supprimés. Et du coup, de temps en temps, il y a encore des gens qui utilisent ces liens, même si ça date un peu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se mettent mes anciennes vidéos avec mon ancienne tronche et tout le bazar, quoi. Mais bon, bref, tant mieux pour moi. Hein. Du coup, je me suis fait une petite commande. Je vous ai montré l'autre livre en anglais et j'en ai pris deux autres qui sont également en anglais. Donc le premier, c'est, vous voyez le titre, en fait, c'est l'histoire d'Aggie Morton, les mystères périls au parc de la chouette. Je traduis ça en français, mais franchement, en anglais, ça sonne tellement mieux. Alors, c'est un livre dont j'ai entendu parler sur plusieurs chaînes anglophones, et visiblement, c'est inspiré de la vraie vie de Agatha Christie. Et c'est assez drôle, parce qu'en fait, on nous parle d'une histoire de Aggie Morton qui vient de résoudre un meurtre et qui va passer, j'imagine, des vacances dans un manoir de la famille. Et elle va être accompagnée lors de ses vacances par son ami Hector Perrault, donc forcément j'imagine bien que c'est une inspiration de Hercule Poirot. Donc ils disent en plus que c'est un ami français, un ami belge, puisque Hercule Poirot est belge. Et donc on va parler de cet énorme manoir, du côté un peu particulier et à mon avis très drôle des gens qu'elle fréquente. Et on parle d'un passage secret dans le manoir. Voilà, et en fait, dans le manoir avec ses amis, elle va découvrir un corps. Et ça a l'air sympa, franchement. Et donc, c'est plutôt un livre jeunesse qui conviendrait, pour le coup, parfaitement pour Noël. Mais bon, j'ai tellement de livres qui conviendraient pour Noël que je vais peut-être pas le lire cette année. Et alors, j'ai pris un autre livre qui me tentait énormément.
Je n'ai pas encore lu, en tout cas récemment, je n'ai pas encore lu le Anne de Green Gables, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de relire ces livres que j'avais découverts quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai très peu de souvenirs de la saga que j'ai pu lire, et mes rares souvenirs se mélangent un petit peu avec la série que j'ai vue l'année dernière, que j'avais beaucoup aimée. Du coup, je me tâte un petit peu à me replonger dans cette série. Il y a tellement d'attentes aussi dans cette relecture, dans cette édition de Toussaint l'Ouverture, que je me dis que j'irai d'abord d'autres histoires de l'autrice pour terminer par Anne de Green Gables. Et en fait, un livre qui a été fortement conseillé, c'est Emily of New Moon, qui est l'histoire en fait d'Emily qui vient de perdre son père. Et en fait, elle est laissée, elle va être éventuellement recueillie par la famille de sa maman. Et visiblement, cette famille n'a pas très envie de la recueillir. Et en fait, visiblement, on va peut-être l'envoyer à New Moon Farm, à la ferme donc de New Moon, bah, c'est dans le titre, donc à mon avis elle va certainement être envoyée à cette ferme, et elle va rencontrer donc sa tante, son cousin, enfin voilà, je sais pas trop, elle va rencontrer des amis, enfin c'est une histoire un petit peu très simple, très champêtre, un petit peu comme peut l'être Anne des Green Gables, et ça a l'air vraiment vraiment chouette. Sinon, je vous ai demandé sur Instagram de me choisir ma prochaine lecture, une de mes prochaines lectures, parce que vous savez, j'ai dit plusieurs trucs en même temps. J'ai proposé 5 livres, je vais vite vous les montrer. Je vous ai fait choisir entre Embrasse l'hiver et Danse avec lui de Giorgia Caldera, voilà, qui est une romance de Noël. Parmi cette sélection, il y avait aussi Fiançailles de Chloé Hooper. Il y a Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Il y a Christmas Pudding de Nassim Mitford, qui est aussi dans ma pile à lire de décembre. Et The Restless Girl de Jessie Burton. Et voilà, je vous ai fait voter. Franchement, quand j'ai mis... Il y a 2 livres pour lesquels je me suis dit « Oh, ils vont certainement choisir ça. » Et j'ai hésité à les mettre dans la sélection parce que parfois, y a plein de gens aussi qui voient mes stories mais qui sont pas forcément... qui suivent pas forcément mes publications et donc ils vont certainement voter pour les trucs les plus connus. Enfin, parfois, je remarque ça, que les gens votent pour les trucs les plus connus, mais en fait, pas du tout. Vous êtes vraiment géniaux parce que vous n'avez pas forcément voté pour les plus connus. Celui qui a été moins voté, c'est celui-là. Et je vais pas encore vous dire en fait, parce que j'ai pas encore fini le décompte. Mais pour le moment, il y a un livre qui est vraiment majoritaire et c'est assez surprenant. Je suis assez surprise en fait par votre choix. Et je vous en parlerai lors du prochain vlog, donc c'est le meilleur teasing de l'univers, on va dire, hein, quand même, ça donne envie, ou pas, de regarder mon prochain vlog. T'as vu ça? À force de regarder Netflix, j'arrive à trouver des teasings de fou. Et voilà, et alors, je me suis relancée dans une lecture, je vous avais parlé dans ma pile à lire de décembre que j'avais envie de terminer des livres que j'ai commencé cette année. Celui-là en fait partie, donc je me suis relancée aujourd'hui dans la lecture de Olympe Valoez de S.L. Pennyworth. Et pour le moment, j'aime bien, mais c'est pas très loin, hein, pas plus loin que la première fois où j'avais commencé. Et ça a l'air vraiment chouette, hein, l'histoire d'une jeune historienne qui se retrouve dans un monde un peu parallèle, hein. C'est un petit peu ça pour le moment qu'on nous dit. Je vais voir, je sais pas trop dire au niveau de cette lecture. Je vais peut-être aussi me lancer dans une lecture en liseuse parce que je trouve ça fort pratique le soir avant d'aller dormir, franchement. Et voilà, et je pense aussi que je vais continuer Christmas Carol parce que je ne suis pas très très loin et c'est un peu la honte parce qu'on est le 11 décembre, je devrais être presque la moitié, quoi, donc voilà. Je crois que c'est tout pour cette vidéo, je vais vous laisser là parce que je vais encore faire le montage. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo qui sera certainement, si tout va bien, je croise les doigts, le book haul que je vous avais promis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.